Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer la troisième boule de Noël, c'est pourquoi j'ai mis le modèle à l'envers et le rognon comme ceci. Je vais vous faire un zoom pour le début. Alors, il me semble assez évident que si vous avez suivi les vidéos du départ, ce passage-là ne va pas vous poser de soucis. Malgré tout, je vais vous présenter dans ces vidéos. Vous allez mettre, donc comme moi, trois épingles en haut à droite et vous allez placer les fils comme moi. Donc si pour l'instant vous mettez une paire sur chaque épingle. On va mettre la paire de meneurs à droite, complètement à droite. Et la dernière paire, on va la mettre à gauche. Donc sur la première épingle ici, il y a 4 fuseaux, 2 paires. Sur la deuxième, il y a 2 fuseaux, une seule paire. Et sur la troisième épingle, il y a 4 fuseaux, 2 paires. Donc on va travailler en point fermé. Les meneurs sont ici. Juste installer le rognon. Voilà. Donc mes meneurs sont ici à droite et je vais à gauche. Donc je vais faire point fermé, je vais faire 2 torsions ici, point fermé, 2 torsions de bout de rangée et je vais repasser ma paire de meneurs derrière l'épingle de gauche ici pour bien tenir la rangée. Mes meneurs sont à gauche, je vais à droite, point fermé, ici je vais faire 2 torsions sur les meneurs, point fermé, ça va permettre de créer un petit crevé à l'intérieur du point fermé, vous mettez 2 torsions et une épingle et je recommence, je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé. 2 torsions de bout de rangée et je mets l'épingle et je tire un petit peu et retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions de bout de rangée et je vais mettre l'épingle à droite ici, complètement à droite sur la même ligne que la première ici. Ensuite, je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée. Vous mettez l'épingle au milieu ici entre... En fait, cette épingle-là va servir à la fois de ce côté et de l'autre. Je crois que c'est ce qu'on avait fait aussi sur l'autre boule et du coup, il faudra crocheter en venant. Donc là, maintenant, je suis à gauche, je vais à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions de bout de rangée. Et là, vous voyez que le modèle se rétrécit. Donc, on va faire que du point fermé. Point fermé une fois. Deux fois, là vous ne faites pas les torsions, point fermé 3 fois, point fermé 4 fois. Vous faites vos 2 torsions maintenant de bout de rangée, ça ne change pas. Et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous continuez en point fermé. À droite, et là vous pouvez faire déjà du point fermé pendant 3-4 rangées. Alors ici, j'ai mis la dernière épingle au niveau de l'arrondi. En fait, ça fait la moitié de l'arrondi. Et là, on voit que les 3 prochaines épingles de droite vont avoir pour semblable à gauche la même épingle. Donc là, je viens de mettre cette épingle-là. Mes meneurs sont à gauche. Donc je retourne à droite en point fermé.
je fais mes deux torsions de bout de rangée et je mets l'épingle ici. Je vais retourner à gauche. Là, c'est très important d'avoir vos fuseaux toujours bien droits et tirés surtout. Vous faites vos deux torsions de bout de rangée, vous repassez vos meneurs derrière cette épingle qu'on a mis. Ensuite, vous pouvez faire encore un aller-retour, toujours en point fermé. Une fois l'aller-retour fait, vous faites donc vos deux torsions et vous repassez encore une fois derrière cette même épingle. Là, il va falloir tourner votre carreau pour vous mettre bien en face. Vous retournez à droite en point fermé toujours. Vous faites vos deux torsions et vous mettez l'épingle à droite. Ici, il me semble que oui, vous retombez sur vos pas. Donc maintenant, vous pouvez terminer cette partie-là et je vais vous retrouver juste pour le petit carré plus élargi ici. Alors ici, le modèle commence à s'élargir, donc nous allons faire exactement ce que nous avions fait là. Mais en plus, il va falloir qu'on crochette au fur et à mesure. Donc déjà, je vais enlever moi les trois épingles où l'on va crocheter. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche, point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions bout de rangée. Et je vais crocheter sur le premier trou ici. Ma paire de meneurs. N'oubliez pas de replacer l'épingle au bon endroit. Éventuellement, moi, je prends toujours un fil que je fais passer derrière l'épingle, je trouve qu'il est meilleure tenue pour le crochetage. Et donc mes meneurs sont à gauche, je vais à droite, point fermé, deux torsions, point fermé. Point fermé, deux torsions. Je retourne à gauche, point fermé, deux torsions. Point fermé, deux torsions. Je vais recrocheter ma paire de meneurs sur la deuxième épingle que j'ai enlevée. Encore une fois, si vous ne savez pas crocheter, je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule « Exercice de crochetage ». C'est important de savoir bien crocheter. Vous remettez l'épingle au bon endroit et je fais passer un de mes fils derrière l'épingle. Ensuite, mes meneurs sont à gauche et je vais à droite. Point fermé, deux torsions, point fermé. Deux torsions, deux bouts de rangée, je mets mon épingle à droite et je retourne à gauche. Point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions. Je vais crocheter ma troisième épingle, toujours avec les meneurs. Une fois que c'est fait, vous mettez l'épingle, vous repassez le fil derrière. Un seul fil hein, derrière l'épingle. Moi je fais ça, après je sais pas si vraiment toutes les dentelières le font, mais je trouve qu'il y a une meilleure tenue pour le crochetage quand on fait ça. Voilà, ensuite les meneurs sont à gauche, je vais à droite, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions. Je retourne à droite, à gauche, pardon, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions. Ici, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez crocheter cette épingle. Donc cette épingle, c'est la première qu'on avait mis. On avait mis à cheval dessus les paires pour débuter. L'épingle. Faites attention d'attraper tous les fils quand vous mettez l'épingle.
je repasse mon fil derrière. Et on va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire point fermé, deux torsions, point fermé, vous faites deux torsions de bout de rangée et vous allez mettre l'épingle ici. Donc à droite, et c'est le début en fait de la partie ici. Donc là, vous avez deux choix. Soit il vous reste suffisamment de fil et vous pouvez laisser quelques fuseaux partir là-bas, peut-être tous. Je vais mettre 8 fuseaux pour ici. Donc, soit vous avez vos 8 fuseaux qui ont assez de fil qui vont continuer jusque là. Dans ce cas-là, vous les descendez. Ceux que vous avez en trop, vous les simplement vous les montez. C'est-à-dire que par exemple, si cette paire-là n'a plus assez de fil, je la monte, je ne la travaille plus et je retourne avec mes 8 ici. Sinon, vous allez terminer comme on a fait pour cette boule-là. Ici. Je crois qu'on avait terminé par des petits nœuds. Donc on avait fait 4, 2 et 4. Donc rouloter ici, un nœud ici et rouloter ici. Je crois que c'était ça. Donc vous pouvez terminer comme ça. Et ensuite, quand on refera en fait la partie gauche ici et la partie droite, on fera pareil des deux côtés. C'est-à-dire qu'on refait les fuseaux, on recrochette en haut ici et on fait toute la longueur voilà comme ça avec des nouveaux fuseaux. Donc voilà, là c'est vraiment du cas par cas, c'est vous ce qui vous reste comme fil sur vos fuseaux, mais ça on le verra demain. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Vous avez vu certainement qu'on n'a pas fait le rouloter tout simplement parce que j'estime que vous savez le faire maintenant, sinon vous regardez les anciennes vidéos. Donc vous crochetez ici sur la partie verte, vous faites votre rouloté et vous allez recrocheter sur la partie rouge tout simplement. Voilà, je vous dis à demain.